Oh, come on, bébé. T'as toujours mal à la tête. Un homme, ça a des besoins, tu sais. Ah, excusez. Ah, ok, j'avais pas vu où vous étiez là. Ça va tout le monde? Vous allez bien? Ouais. Nouvel épisode de Feed the Beast Crack Pack. Yeah! Ah, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Rien. Je pense qu'on va juste s'asseoir et rien faire. Tiens, on va aller dans mon bureau. Je me suis construit un bureau, un office. Question de faire des affaires décoratives un petit peu. On va se mettre en humain. Ouais, c'est génial. L'ordinateur, hein, ordinateur de bureau. C'est toute beauté. Petit rack pour mon manteau avec mon chapeau. Yeah! Petit divan pour s'asseoir. J'étais ça à l'envers. Ouais, comme ça, c'est mieux. Pas mal mieux. On va aller s'asseoir là. Ici. Hop, je prends un rack à manteau. Ah, et voilà. Je suis assis au bureau. Je travaille dur, là. Laissez-moi tranquille, là. Ok, c'est assez niaisage. Aujourd'hui, j'ai commencé à me lancer dans. Oh, je me suis cassé une cheville. Mais c'est pas grave, une cheville, c'est absolument inutile. C'est une des parties du corps, c'est comme l'appendice ou les amygdales. On peut se faire enlever les chevilles, puis on verra pas la différence dans nos vies. J'ai commencé à jouer avec Industrial Craft. Puis ça, hein, ça m'a amené. C'est quoi que j'ai vu passer? Je pense que c'est une pomme. À concevoir que j'ai besoin de rubber. Rubber, du caoutchouc, appelé plus précisément en français. Le problème, c'est que j'ai pas une grosse production de rubber. Fait que j'ai décidé, aujourd'hui, on fait une machine qui fait du rubber, du caoutchouc. Puis pour ça. J'ai regardé les recettes de caoutchouc. On va aller voir ça ensemble. Là, je m'en ai écrit caoutchouc, mais c'est pas du caoutchouc ici. Sais-tu, c'est cette recette-là que j'ai regardé. Pour faire ce type-là, on peut prendre de la colle. J'ai regardé pour faire du rubber, à part les arbres, il n'y a rien vraiment qu'on peut faire. 100 000. Yeah, exactement. Puis il y a ce rubber-là qui vient de l'arbre, puis blablabla. C'est plate. Ma solution est bien plus le fun. La colle, on peut avoir ça en quantité industrielle si on fait fondre un cheval. Fait qu'aujourd'hui, on fait une machine qui fait fondre des chevals. Ou des chevaux, si vous préférez. Non, on va dire des chevals, parce qu'on a le droit de dire des chevals. C'est dans le dictionnaire. C'est l'Office de la langue française accepte des chevals. Fait que je vais dire des chevals parce que j'ai l'habitude de dire des chevals. Tiens, va te d'en face. Fait que c'est ça. On fait une machine qui va faire fondre les chevals, récupérer ça, faire cuire ça, nous faire du rubber. Yeah. Puis je veux construire ça d'une manière où c'est que. Là, je vais m'en remettre en chauve-souris, ça va mieux. Qui va produire une certaine quantité puis arrêter. Puis pour ça, on va utiliser Applied Energistics, qui est bon pour ça, qui va faire une contrôlée. Puis en plus de ce système-là, bon, j'ai une merde. En plus de ce système-là, je fais un système parce que là, je l'ai jeté, je pense que j'ai jeté, j'ai fait un ménage. Phyto, ouais, non, je l'ai pas jeté, j'ai rendu à 1000 phyto gros. Là. Il a arrêté d'en faire, mais un petit peu trop. Fait que ma machine affiche taco, en passant, j'ai fait quelques modifications. J'ai fait une production automatique de. C'est quoi que je fais avec ça? Je finis plus. Ah, du nitre. Ça, c'est une autre affaire qui va tomber dans cette catégorie-là. Parce que ça me prend du nitre pour faire mon phyto gros. Pour faire le slag, c'est ça. Ben, pour faire une de ces affaires-là. J'ai besoin du nitre, fait que j'ai fait une machine de nitre ici. Pour faire du nitre, il faut pulvériser. Ben, une des manières, c'est pulvériser du sandstone. Puis tu as une chance sur deux d'avoir un nitre quand tu pulvérises du sandstone. Fait que j'ai fait une machine ici qui est à côté sur mon Ignis Extruder ici. Fait qu'il prend du cobble. Il pulvérise le cobble. Il fait du sable avec. Ici, cette machine-là prend quatre sables et fait un sandstone. Il l'envoie dans la machine ici qu'il pulvérise. Quand tu pulvérises du sandstone, ça te donne deux sables. Les sables qui sont pulvérisés sont renvoyés ici.
pour être reprocessé et remis en sandstone pour envoyer là. Et quand je pulvérise le sandstone ici, ben une fois sur deux, j'ai un niter que lui il est acheminé dans le système pour alimenter mon machine à slag. Je pense que c'est ça, hein? C'est ça? Niter, non, c'est pour faire... OK, c'est ça. C'est pour faire mon phytogo directement, ça me prend du niter. Fait que ça, c'était petit, j'ai rajouté ça qui fait du niter. J'ai aussi question de produire plus. Puis là, je remarque qu'en ayant 1000 phytogo dans mon système, que c'était peut-être pas nécessaire, mais je l'ai fait. Parce que l'autre set, je disais, créait 8 phytogro. Puis si au lieu de donner 2 pulpes de bois, on donne un charcoal pulvérisé, un charbon de bois pulvérisé, la recette produit 32, fait 4 fois plus. Fait que ici, j'avais juste du bois qui était alimenté dans le pulvérisateur ici. Et faisait du pulp envoyé là. J'ai juste rajouté une petite fournaise dessus. Le bois va dans la fournaise en premier, ça fait cuire en charbon de bois. Là, il va dans le pulvérisateur, fait de la poudre de charbon de bois qui s'en va là. Fait qu'au lieu de faire 4, juste en rajoutant une fournaise, au lieu de faire 8 phytogro par recette, j'en fais 32. Yeah. Puis là, je veux séparer ça, cette machine-là. C'est là, aujourd'hui, je vais installer une place, mon façade arrière ici, où c'est que je vais produire différents produits. Je vais produire du niter, je me suis fait un petit livre avec les différents produits que j'ai pensé que je voulais automatiser. Eux autres n'iront pas en arrière là, mais je veux un... On va me servir de Applied Energistics pour garder un certain nombre de signalum dans mon système. Oh, pardon. Un certain nombre d'enderium, d'hardened glass. En arrière ici, je vais faire une place, faire du hardened glass, faire de la vitre. Peut-être une machine à XP, le phyto, le slag, le salt, l'invar, blablabla. Je vais faire ça ici. Ça, on va déménager ça. Ça ne sera plus là. La machine à pêcher, on va déménager ça aussi. Ici, on va juste faire de l'espace. On peut enlever ça tout de suite. Toi, va-t'en. Oh, OK. Oh, je suis encore sur en mode comme ça. Comme ça. OK, génial. On va enlever ça dans les jambes. Toi, va-t'en. Oups. Ça, y a-t-il quoi là-dedans? Non, c'est vide, tu peux t'en aller, on va sortir la hache. Ah, j'ai plus de hache. Il m'est arrivé un problème, je sais pas qu'est-ce qui a causé ça, une corruption de mes données. Toutes les données de mon personnage, ils ont été perdues. Qui eut pour effet que tout mon inventaire, tout est disparu. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais c'est arrivé. Fait que j'ai triché pour quelques bidules. Dont le jetpack, parce que j'avais perdu mon jetpack, c'était sur mon inventaire. Ça, je m'en suis donné un, j'ai dit non, je passe pas une heure en avant d'un crafting bench à faire un autre style jetpack, parce qu'il y a un bug du jeu qui a corrompu mes données. I don't think so, motherfucker. Fait que je me suis donné ça, puis ça aussi, parce que je n'avais déjà avant, fait que je me l'ai redonné. Là, je les ai réenchantés, tout le tatralala. Mais j'ai pas triché beaucoup. J'en ai profité, ma pelle, je m'en ai fait une neuve. Je voulais justement m'en faire une neuve. Ça, je m'en suis donné un nouveau. Ça, Portal Gun, j'en ai perdu un. J'aurais peut-être m'en redonner un, mais j'en avais un de spare. Fait que. Je m'en survive. Anyways, blablabla. Juste pour vous dire, j'ai eu une corruption de données. Je sais pas ce qui est arrivé. À ce temps, je fais un backup de mes données une fois de temps en temps. Comme ça. Je ne perdrai pas toutes la prochaine fois. Je vais perdre de. Les affaires les plus récentes et c'est tout. Oh. On réparera ça plus tard. Fait que c'est ça. Fait que je pensais, moi, ça me prend des câbles. Je pense que je vais laisser le logistics pipe de côté un peu. Je remarque ici, c'est pas super loin du système, mais c'est déjà long à utiliser parce que c'est relativement loin du système pour le logistics pipe. Fait que je pense qu'on va faire une transition, faire... Applied Energistics. Juste parce que c'est instantané. Je me saute des câbles tantôt. Mon seul problème avec ça, qui pourrait me faire suer, mais que je vais continuer à jouer avec ça. On va le glisser. Ça, c'est une autre affaire. Je me souviens d'une machine fait des alloys parce que je vais peut-être commencer à travailler avec les produits Ender IO. Fait que je me suis fait un... lui, il fait des... je me souviens plus lequel. Un des alloys, puis l'autre, il fait l'autre.
Puis c'est ça, fait que je peux faire des produits sur demande. Puis encore là, je vais faire un système pour tenir une certaine quantité dans le système. Je pourrais peut-être commencer avec eux autres. Comment je pourrais implémenter ça? Lui. Il faudrait que j'alimente le système direct. Prédire provide. Ok. Bon, ben on fait ça tout de suite. Ah non, je vais commencer avec une machine à cheval. On va commencer par la machine à cheval. J'ai besoin. Les sealed brick, ça. 442, je devrais noir amplement pour ce que je veux faire. Ok. Bien entendu, faire fondre des animaux. Éventuellement, m'en faire fondre des villageois pour avoir des émeraudes. Ça, on peut envoyer ça dans le système. Je n'ai pas besoin. Ça, on va y garder pour la main. Ça, je prends la raison. On va y garder. Ça, on envoie ça. Ça. Ok, whatever. Ok, la machine à faire fondre les chevals, dans le fond, je vais peut-être. Je veux. On va faire ça ici, je crois. On va enlever ça. On va enlever ces petites lumières-là. On va enlever lui. Fait noir. On va mettre des torches en attendant. Je pourrais peut-être. Non, je la collerai pas là complètement. Là, est-ce que je peux faire une smeltery de 5 par 5? Si oui, ça me simplifie la vie. Je le ferai pas super haut, ça n'a pas besoin d'être haut. 5 par 5, vous allez comprendre dans pas grand temps pourquoi. Là, on va faire ça de même. Oups. Va-t'en, toi. Va-t'en. Ça, si on peut enlever ça, si on peut enlever ça. On va enlever les coins. Là, je devrais me faire un contrôleur. J'ai besoin d'un contrôleur. J'ai besoin d'un sear tank. Puis on va voir si ça fait une machine fonctionnelle. Si oui, ben on va faire ça 5 par 5 comme ça. Ça serait génial. Là, je suis pris dans. On va-tu passer par la bonne place? Anyways. Seared bricks. Il m'en reste-tu? Il m'en reste amplement. J'ai une tank ici. J'ai-tu un contrôleur déjà fait? Eh ben oui, j'en ai même deux. Ok. Fait que ça, on va tester si 5 par 5 c'est une grosseur viable côté. Machin truc là. Ok, on va mettre ça ici. On commence par le Sear Tank. On va. Smeltery Controller. J'ai-tu 25 espaces ici? 4 fois. 4 fois 6, 24 plus 1, 25. Eh oui, j'ai 25, c'est fonctionnel. Perfect. Ça veut dire, ça, si je fais ça comme ça, je veux juste 2 de haut. Qui vont être. Amplement grand pour accueillir les chevaux. Hey, j'ai dit les chevaux. Ah, je vais vieillir, hein. Mon français s'améliore. Asti, je suis bon en français, mon coralis. Yeah, baby. Donc, fait que là, je vais en avoir 50 espaces. Yeah. Ok. On va l'alimenter avec probablement du. Ce produit-là. J'ai pris ces rouge avec un Ender Tank. Puis. Ok. Tank. Donne-moi un Ender Tank. Et j'ai besoin du Red. Pour la coder. Du bon code couleur. Là, j'ai pas besoin de ces brick là. Mais là, oh, j'ai une autre affaire, j'aurais besoin. Tiens, va-t'en, toi, j'en veux plus. J'aurais besoin. Je sais pas si je marque de rein, j'en ai peut-être déjà. J'en ai 6. J'en aurais besoin de 2. Fait que je vais en commander 2. Ça, toi, tu t'en viens ici. Toi. Tu vas prendre ces couleurs-là.
comme ça. Perfect. Ça me prend un Harden Fluida. Il m'en reste juste un. C'est pas génial. Ah, puis j'ai pas besoin de cerveau dans ce cas-là. Donc là, on peut arriver ici. Puis la teinte, je vais en mettre. On va en mettre ici comme ça. C'est supposé être rempli. Ouais, ok, il est rempli. Perfect. J'ai du fioul en masse pour faire fondre les chevals. Là-dedans, ça me prend au moins un lingot de fer. Qu'on va faire fondre de ce pas. Qui devrait fondre assez vite, merci. Parce que c'est le fer qui va tuer les chevals. Et voilà, c'est fondu. Là, par-dessus ça, oh, il y a une machine que j'ai oublié de faire. Ok, on va aller faire ça. On va faire un spawner. Comme ici. Sauf qu'il va être dédié à faire spawner des chevaux, des chevals. Des vaches. Je sais pas, je m'en allais avec ça. Je vais faire une joke avec des chevals et des vaches, mais ça marche pas mal à faire. J'ai besoin d'un spawner. Oh, ça prend des ingrédients un peu hors de l'ordinaire, mais ça, c'est un détail. Hein? Most likely, comme ça. Donne-moi en deux. Merci, bonjour. Oh, il manque un. Un blaze. Ça, là, je devrais être correct pour le reste. Eh oui. Bingo, bango. Come on, baby. OK, on prend ça. Là, j'aurai pas de plancher. On va amener du dirt juste pour question de faire des échafaudages. Je suis pogné les affaires. Il y a trop d'affaires dans les jambes. Là, je pensais faire ça comme ça. Comme ça. Là, il va falloir alimenter ça en mob essence. On va peut-être faire une modification à ça ici. On va peut-être la faire pour avoir une petite teinte qui va s'alimenter là-dedans. Hein? Ouais, ouais, ouais. Qu'on puisse avoir de ce jus-là. Je pourrais juste mettre la petite tank ici. Ok, ok. On va dire à notre machine de commencer à faire ça. Tank. Fais-moi-en... 5. Ok. Là, faut que j'ai... Ah, c'est vrai, ça me prend... Faut que j'amène de l'énergie aussi, mais ça, c'est un détail. J'ai de l'énergie. J'aimerais ça prendre l'énergie de ce bord-ci. Et non, de ce bord-là. C'est quoi ça? Ça, il va falloir que j'enlève tout ça éventuellement. Je pourrais juste étirer ces tuyaux-là. On a-tu des flux docks? On devrait en avoir amplement. Pas des flux docks. Oui, des flux docks, c'est ça. J'en ai 49 qui va faire le job. Là, ah, c'est pour ça que je voulais Ender IO. Faudrait que l'énergie en plus arrive par le dessus. Ah, c'est pour ça que je voulais Ender IO. Je veux amener le Mob Essence pis tout par le même tuyau. Pis tout soit sur le dessus. Je vais me faire des tuyaux Ender IO. Je vais vous faire la première petite coupure ici. Je vais faire ça. C'était tuyau-là. Je vais faire une coupure. Parce qu'il faut que je pense à certaines choses. Puis je vous ramène. Bon, j'étais après vous oublier. Là, moi, j'étais parti comme un grand. Là, j'ai installé les tuyaux. Et tuyaux d'énergie. Dans le fond, je pourrais juste l'amener carrément puis connecter ici. Je m'en vais me connecter là, mais. C'est pas ultra dispendieux.
ces affaires-là. Comme ça. Lui, on va le récupérer, vu qu'on n'a pas besoin ici. Ça, c'est les tuyaux d'énergie. J'ai fait les tuyaux d'énergie. Ça va me prendre. Ah, là, j'ai oublié. J'ai fait les tanks. J'en ai juste besoin de deux tanks pour commencer. J'en ai fait trois d'extra parce que ça me tentait, hein? Mais j'en ai pas besoin de ça. Là, on va les coder de couleur. Vu que c'est du Mob Essence, on va prendre une couleur qui ressemble au Mob Essence, hein? Et voilà. Deux. Fait qu'une va aller ici. On se casse même pas la tête. Et voilà. Là, j'ai pas fait les conduits à liquide. J'ai les conduits à l'énergie, conduits à liquide. Puis j'aimerais ça peut-être faire un redstone aussi. Fluid, prefer fluid. Je pense que c'est juste une question de vitesse. Quite clear glass. J'ai pas de quite clear glass, moi. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Puis lui, il est-tu bien compliqué à faire? C'est quoi la différence? Ah, ok. Ça, c'est diffused quartz. Ok, comment on fait du quite clear glass? On dit ça dans un... Il y a pas d'autre manière? Fine. Sand. Give me some sand, motherfucker. Come here, motherfucker! Là, la seule affaire que j'ai disponible, c'est celle-là ici. Là, il est en mode... On va le mettre en mode fournaise. Il n'y a pas besoin de beaucoup, mais... Pas le choix. C'est pas du quite clear glass, ça? Shit. Ça va l'air du sable, mais c'est pas du sable. Ouais, c'est du sable, esti. Alloy smelter. Faut-tu le mettre en mode alloy? Ah, c'est ça, c'ti. Oh my god! Au moins, ça va vite. J'en fais une coupe. Donne-moi un autre. Merci. Toi, va-t'en là-dedans, toi, va-t'en là-dedans. Fait que là, on devrait avoir assez de tuyaux. Fluid conduit. 1, 2, 3. Il me donne 24 tuyaux qui est amplement. Alors, là, on peut le connecter ici. Dans le fond, la tank, on pourrait mettre carrément ici, sur le dessus. Si je me souviens bien, je peux y aller avec cette affaire-là. Mode in out, c'est pas la bonne affaire que je veux, oui. C'est-tu le bon, ça? Ça, c'est pour l'énergie, ça serait... Ok. Ok, in out, je pense qu'on va le laisser de même, on y touchera pas, on a pas besoin de se casser la tête. On met ça ici. Fais ça comme ça, perfect. Ça, ça se remplit. Il y a de l'énergie puis tout. Fait qu'il est prêt à fonctionner. Il est prêt à spawner des chevaux, cette affaire-là. Ah ah, génial. On va enlever ça. Ça n'a plus rapport là. Là, ça va tomber dans le smelter. C'est un détail à lui. Il est ici. Les autres, ils vont être ici. Ici. Oh. Je veux pas mettre de dessin là-dedans. Là. Fuck! Bon, ben, c'est là que j'ai mis du sang. Let's go. Asti. Là, faut que j'enlève ce sang-là de là. Putain de merde. Comment je vais procéder à... pour enlever ça? Ici. On va mettre nos drains. Ça me prend un cerveau.
J'aurais dû laisser despawner quand on pense à ce rôle-là. Prochaine fois, c'est ça que je vais faire. Je fais ça comme ça, en théorie. Yeah! Le sang, il est aspiré dans ce tuyau-là. On détruit le tuyau, le sang est détruit, et voilà. Là, j'aurai besoin des Arden Doc qui va aspirer le fer et le remettre dedans alternativement. Parce que le fer va être en bas, puis la colle va être sur le dessus. Si on veut faire sortir la colle, il faut l'amener en bas. Fait qu'on fait sortir le fer, la colle descend, le fer rembarque sur le dessus, et on aspire toute la colle. On peut envoyer un signal redstone à ça, je crois. C'est ici. On envoie un signal redstone, puis ça va faire changer les différentes couches. Mais c'est problématique. Puis par expérience, c'est mieux avec l'histoire du tuyau ici. Dans le fond, il va falloir que je fasse d'autres Arden Fluidoc. Non, c'est... pas ça. Comment je fais des Arden Fluidoc again? Ça prend. Ok, c'est relativement simple. Most likely. Nous en deux, trois, quatre. Pour ceux qui ne savent pas, j'utilise eux autres parce que les autres ils explosent si on met des liquides un peu trop chauds. Fait que là, on fait ça comme ça. On met ça comme ça. Puis on laisse aspirer éternellement. Mais. Comment ça qu'il y a 4 nuggets qui est resté là? Peut-être que le tuyau va peut-être falloir que je mette une tank entre les deux comme un buffer. Donc on va essayer ça. Je peux faire quelque chose de relativement simple. Ouais, ça je pourrais faire. Ok. Tank, j'ai-tu des tanks? J'ai pas cette tank là. J'aimerais savoir les tanks. Oh non, ça va faire le job ça. Parce que le tuyau est probablement rempli de ce fer. Il va falloir que je fasse ça. Je remets là, que ça a l'air. Là, tout est disparu. Écoute, on va faire fondre d'autres fers après. Eux autres, on va les espacer un peu, que je puisse mettre la tank entre les deux. Ok. Ça. Ok. Lui, on le met entre les deux. On va mettre ça ici. On va mettre ça ici. Non! Ça. C'est pas grave, cette tank-là, quand t'es détruit, ils vident leur inventaire. Bon. Là, je vais avoir besoin d'un autre cerveau. Là, ce que je vais faire tout de suite, ici, si je viens à l'autre bout ici, oups, là, j'ai accroché ma souris, j'ai une bucket de fer, molten iron. Alors, je vais emprunter ça parce que pour empêcher la colle d'aller dans ce tuyau-là, on va y mettre un whitelist, le fer seulement, fait qu'il va juste accepter du fer là-dedans. Si on prend un autre cerveau pour ici... Servo. Oh tiens, je vais prendre les autres, les El Cheapo. Ah oui, puis un lingot de fer. Comme ça. Là, savez-vous quoi? Je vais mettre ce cerveau-là ici, vu qu'il est plus lent que celui-là. Comme ça. Il va aspirer le fer plus vite qu'il va l'expirer. Voilà. What? C'est quoi ça? Je pense que je vais l'enlever, ce petit peu de fer-là. Je sais pas d'où ça vient, mais on va l'enlever pour être sûr que notre système est bien balancé, bien équilibré.
Tout ça n'a pas d'importance. J'ai pas de whitelist, faut juste être toujours on. Lui, j'ai-tu mis sa whitelist? Ouais, whitelist, perfect. Fait que là, si je mets ça là. Ok. Comme ça. On enlève ça. On aspire le Blaze Parotium. Bon. Mon système est vidé là. On recommence. On va l'avoir. Comme ça. On remet la tank. On réactive ça. Là, ça c'est supposé être vide. Ouais, bon. On lance un morceau de fer. Là, en théorie, il serait supposé de se vider, de se remplir. De se vider, de se remplir. C'est ça qu'on veut. Génial, hein? C'est fou raide. Tu ne le remets pas là-dedans, toi? Pourquoi tu ne le remets pas là-dedans? Est-ce qu'il se promène? Écoutez, on fait spawner un cheval ou deux. Là, il faudrait que je fasse des murs là-dessus. Il faut que je fasse des murs épais. Je sais pas quel matériel je veux utiliser. Je vais vous payer sur pause. Choisir le matériel que je veux. Construire une cage autour de ça. Puis je vous ramène. Ok, j'ai fait la cage autour de ça, j'ai été me capturer un cheval qui était un petit peu plus long que j'avais prévu pour ça, hein? Parce que hein, les chevals, ça court pas les rues, hein? Parce que si tu trouves des chevals dans les rues, il y a un problème. Là, techniquement, on met ça là. J'aurais dû acheter un levier, J'aurais dû me pogner un levier pour le mettre là-dessus pour désactiver au besoin. Ok, stop, stop. On a assez de cheval. Là, on voit que le fer ne retourne pas dans le système. Pourquoi? Pourquoi? Iron Flurock. Il est où tout mon fer, c'ti? Si on désactive ça, qu'est-ce qui se passe? On va faire ça. Ok. Est-ce que c'est juste qu'il n'y a pas assez de cheval? J'ai-tu... Ça a-tu fonctionné, mon affaire? J'ai-tu fait fondre? Ouh, ça, c'est une affaire que j'avais pas pensé. OK. On a de la colle. C'est juste qu'on a pas... Peut-être pas... Là, je suis en train de penser... Peut-être que... M'essayer quelque chose... Là, ça me... Ça me titille le citron. On prend une cloque. Si on met ça, peut-être qu'on va régulariser l'entrée et la sortie du fer dans le système. On va aller voir, on voit ce que ça donne. Si je le mets ici à terre, ça devrait activer et désactiver. Ah, là on voit. Le fer est sur le dessus. Ok, je pense que ça fonctionne. Là, si on sort la colle de là. Ça va me prendre un autre drain, par exemple. Oh, j'aurais pas pensé à ça. Parce qu'il faut le faire couler sur un casting basin pour faire des boules de colle. Casting, pas un casting basin, un casting table. Ça va nous prendre des bricks. Où êtes-vous, petite brique, ici? Nous en avons un stack, comme ça je me casserai pas la tête. J'en ai besoin pour d'autres choses, ben j'en aurai. J'ai des Arden Fluidox, on peut peut-être me prendre un cerveau ou deux. Là, j'espère juste que je peux whitelister la colle dans cette affaire-là. On va commencer par... je vais amener un faucet pour le fun.
Fawcett. Viens t'en, mon grand. Ok. On va mettre ça. Hey, laisse-moi passer. On va mettre ça ici, en quelque part. Ça, c'est une place comme une autre. Hein? Ça va me prendre un drain que je n'ai pas amené. Mais c'est pas grave. On va en commander un. Drain. Come on, baby. Come to daddy. Comme ça. Le drain est installé. On va prendre lui. Comme ça. Perfect. Toi, à terre ici. Là, c'est la colle. Right, qui est en dessous. Oui. Est-ce que j'en ai assez pour faire ce que j'ai à faire? Si je fais ça comme ça. Parfait. C'est cette boule-là qu'on veut. Est-ce que je peux whitelister ça? Puis ça va compter. Il y a juste une manière de le savoir. Je prends mon Arden Floodock. Je le collecte ici. Je mets ça comme ça. Je mets ça comme ça, whitelist. Bon. Ah, ce que je peux faire, par exemple, je vais prendre mon métal que j'ai remis dans son endroit ici. Je vais juste blacklister le fer. Comme ça, le fer ne passera pas là. Fait que je vais prendre juste la colle. Problème est résolu. Ici. On ouvre ça. Blacklist. Molten Iron. Fait que là, on peut laisser ça à on. Là, ça va prendre un système. On va mettre... on a du courant ici. On va mettre un système. On va mettre une fournaise ici qui va cuire à mesure. Yeah. Ouais, c'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire. On va faire la fournaise tout de suite. Je n'ai peut-être déjà une furnace. Est-ce que c'est une résonante ou c'est une basic? J'en ai une résonante ici. Parfait. Ça va me prendre des item dock, hein? Item dock. On prend celui-là. This. J'ai besoin d'un cerveau pour ça aussi. Je vais arrêter d'amener un cerveau à foire, m'en amener un paquet comme ça. Ouais. J'aurais plus besoin de venir en chercher. Ok. Là, cette fournaise-là, on va l'alimenter avec ça en haut ici. Est-ce que je vais en mettre ici comme ça? Toi, tu vas accepter par en dessous. Bleu pour accepter Chuck. Et voilà. Cerveau. Comme ça. On peut activer ça comme ça. Oh, il y avait déjà de l'énergie dedans. Bon. Et voilà, on est en train de faire du rubber. C'est perfecto mundo. Mon dieu, ça fait bien de la colle, un cheval. Hein? Là, on a notre fer qui se promène comme je voulais. Perfect. Là, ça fonctionne. On fait des tests encore. On remet le cheval là-dedans. Là, il va falloir que je mette quelque chose pour le bruit parce que le bruit des chevals qu'ils font va être horrible. J'en viens. Oh, le bébé. Oh. C'est cruel comme machine. Oh. Ok, c'est assez brutal comme bruit. Il va falloir vraiment que je mette quelque chose parce que... Bon. On va faire le moment. Hey, toi, t'es pas supposé paraître là. Ouais, en bas. Faut que je trouve une manière de faire sûr que rien ne tombe ici. Ok. Les chevaux meurent. Ils fondent. La colle sort du système. Elle se fait cuire. Génial. Là. Le son, le sort. Ok.
On va faire un petit quelque chose juste pour le son, juste pour... C'est comme assez traumatisant. On fait des cauchemars. Ça prend un sound muffler. 2F, je crois. Oui, c'est ça. Ah, ça prend un autre bloc. Comme ça. Perfect. Come on, baby. Ça. 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 Come on, Hélène. Ah, faut qu'il en fasse. On attend. Et voilà. Gorgée de café. Fait qu'ici, on va mettre. Je pense sur le côté, ça devrait être. Correct. On le teste-tu? Comme ça, on va pouvoir récupérer le cuir. De vraie manière, je pourrais récupérer. Juste mettre un vacuum hopper. Au pire, ça va despawner. Mais je préfère le récupérer. Question de pas avoir des entités qui flottent en suspens. Et qui causent du lag un petit peu. Ok, c'est mieux pour le bruit, là, mais... encore les entendre. Mais ça sera pas tout le temps parce que je vais dire au système de garder une certaine quantité. De garder une certaine quantité en stock puis d'arrêter la machine quand je vais en avoir assez. Là, il manque une composante pour faire ce que je veux faire. Cette composante est un level emitter, je crois. Jukura, non, ME Level Emitter, c'est ça ici que j'ai besoin, c'est pas très compliqué, on va en faire un pour le moment, je vais en avoir besoin pour d'autres systèmes, je vais utiliser ça pour, yeah, j'ai tous mes câbles, ok, là je vais vider un peu l'inventaire, ça je peux mettre ça de côté pour le moment, si j'ai pas besoin pour le moment, on va garder le reste. Ok. Là, j'ai fait de ces affaires-là pour qu'on puisse envoyer un signal redstone ici et arrêter le système. Là, le câble ME, il va passer là. C'est là que je voulais le mettre. Oh, c'est ça que j'ai oublié de ramasser. On va prendre un stack pour le moment. Puis on va prendre de ceux-là aussi. Donne-moi-en les 10. Je sais pas d'en avoir assez. On va voir. Parce que je veux le câble. Et vu que les machines, je vais les installer ici. Les machines que j'ai besoin, je veux que le câble passe ici. Fait qu'on va réutiliser ça. J'espère que 32, ça devrait être assez. 32 channels, ça devrait être assez. Ça me donne... On va voir. OK, ça va continuer par là-bas. Ici, on va avoir une jonction. J'aurai pas assez de câbles. Il va falloir que j'en fasse d'autres. On va essayer de l'enligner près. Au milieu avec lui. Tiens, je le coupe comme ça. Pas là. La question de tester, je pense qu'on va faire ça ici. Le level emitter, comme ça, mettons. Là, on pourrait connecter notre câble redstone là-dessus. Si je l'ai mis, je suis aveugle ici. Il est où? Fluid. Ah, il est droit là. Wow. Je suis aveugle, il semblerait. Pourquoi tes mains scintillent? Ok, ça, va falloir que je le tourne. Je peux dessus. Ça va me prendre absolument l'outil. Ça va me prendre absolument l'outil de.
Comment que ça s'appelle cette affaire-là? Je me souviens pas. Applied. Ça ici. Certus Quartz Wrench. On va en faire un. Ok. Toi. Ouais, perfect. Commande 1. Là, je crois bien qu'avec ça, je vais pouvoir tourner l'orientation de mon level emitter. Non, je ne peux pas. Ok. Shift. Là, je l'ai enlevé. Ah, ben, ça va faire le boulot. You. L'as-tu récupéré? Jesus Christ, ça va vraiment la faire. Non, je ne l'ai pas récupéré. Le voyez-vous? Pointez votre écran, là. Ah, il est encore là. C'est... Oh my God. On recommence. On met ça. On met ça ici. Bon. Là, lui, il va émettre un signal redstone. OK, parfait. Il lit le signal redstone. C'est ça qui m'inquiétait. Mes soucis n'étaient pas fondés. Fait que là, on va dire... On va aller au level emitter. On va y dire... l'item va être... non, pas ça. Ça va être le rubber ici. On va aller là-dedans. Quand tu vas avoir deux stacks? C'est bon. Pas pire ça. Quand tu vas avoir deux stacks, emits when levels are above or equal to this limit. Quand tu vas avoir deux stacks de rubber comme ça, tu vas allumer. Fait que quand il va y avoir deux stacks de rubber dans le système, ça va s'activer, ça va désactiver les chevals qui se font égorger. Puis ça va régler le problème du bruit. Fait que ça va toujours garder au moins deux stacks. Quand je vais passer à travers les deux stacks, ben là, ça va activer la machine. On va le tester. Là, il faut alimenter ça en énergie. J'aurais dû l'aligner plus au milieu, mais pas grave. Mais c'est pas grave. Hein. Côté... Est-ce que je... Parce que là, je vais prendre Applied Energistics. Lui, là, il est vraiment pas à bonne place. J'aurais dû le mettre de ce côté ici, que je puisse connecter ce système Applied Energistics pour récupérer les petites boules de rubber. Ok. Je vais déménager ça, mais vous pouvez sur pause encore une fois. Maudit, je suis un arrêté cruel. Cruel, je vous dis. Je vous pose sur pause une autre fois. Je déménage tout ça l'autre bord. Je fais une coupe de câbles, parce que j'ai besoin des câbles de demain. Il va falloir que j'en fasse d'autres. Puis, ouais. Fait que je fais ça, puis je vous ramène. Ok, c'est déménagé. C'est ici, c'est plus proche de là. Je vais pouvoir connecter, j'ai fait des câbles. Fait qu'avec ça, je vais pouvoir connecter là-dessus. Je pense qu'on va extraire les choses du dessus. Comme ça, je me souhaite un import bus qui va aspirer les affaires dans le système. Et voilà. Techniquement, bien entendu. Là, on peut aller directement par en haut. Plus haut. Toi, pourquoi tu connectes là? Je ne veux pas que tu connectes. Lâche! Ne touche pas. Disable. Ok. Il ne touche pas. Là, il va toucher ici aussi. Il va falloir que je le disable. On va s'occuper de ça après. Ok, ça connecte. Toi, on te disable. Je veux pas t'avoir là. Perfect. Connecte au système. On a deux lignes. Donc, ça l'a-tu déjà aspiré mes affaires? Il n'y a rien aspiré. Fait que non, ça l'a pas aspiré les affaires. J'ai pas amené d'énergie ici. Ce qu'on devrait faire tout de suite. J'ai des câbles. Il m'en reste 10. Est-ce que ça va être assez? Un là. Un là. Un là. Un là.
Ici, on va venir ici. Comme ça. Ça. On descend. On connecte. La machine a de l'énergie. Perfect. Là, le rubber devrait se faire aspirer dans le système. Et voilà, perfect. Les montants vont monter, mais qu'il n'aille 128, la machine devrait se désactiver. On essaye tout ça. On va mettre les chevaux là-dedans. Come on, baby. Puis on va voir si ça marche. On devrait-tu l'accélérer? Ah, tout si bien. On a la technologie, tout si bien de l'utiliser. La machine ne marche pas pour quoi? Ça, c'est allumé pour quoi? Là, ça veut dire qu'on a déjà le montant dans le système. Rubber, il y a des bonnes chances. Ah, il y en a déjà. Fait qu'on va en commander un stack. Comme ça, il va en manquer. La lumière s'éteint. Ça va activer la machine. Et oui, parfait. Il faut que je démanche les tuyaux tantôt. Il est où mon fer? Pourquoi le fer ne... Il n'y a plus de fer dans le système. Ok. On va commander un morceau de fer. Puis on va mettre du fer dans le système. Ça a l'air qu'il n'y en a plus. Je sais pas où ce qui est allé. Il est allé quelque part. Là, on va se dépêcher avant que ça se remplisse trop de... de cheval, de chevaux dans cette affaire-là. Ah, ça prendra pas de temps, pas avec du liquid pyrotime. Et voilà. Hey, toi, Lan, t'es pas supposé être là. On est en bas. Là, il faudra que je fasse une cage autour de ça pour être sûr qu'il n'y a rien qui spawn là. Le son, le son. Là, faut extraire la colle. Pourquoi ça extrait pas? Il est là, mon estifère. Il est estifère là-dedans. Non! Ok, on va désactiver ça 2 secondes. Hein? Comme ça. Pour s'épargner ce son horrible. Oh my god, c'est une de mes pires inventions. Là, faut que je vide le fer de ce tuyau-là. Comment je pourrais faire ça? On fait ça de manière simple. Ben, je veux pas déconnecter le tuyau parce qu'il va connecter. Oh, je pensais qu'il était là. Il était pas là. Il est où? On n'a pas un moule, nous autres. Ah, j'en ai plein dans le système. Ben, je vais le faire sortir. Je vais mettre un moule, faire sortir l'affaire de là. Cast. J'en ai amplement de ces affaires-là. Ça. Ce que je peux faire, parce que je veux pas détruire ça, parce que j'ai ça là. Il est bien sur blacklist, oui. Mais j'ai mis la blacklist après que j'ai mis l'affaire dans le système. Ok. Oh, c'est ajouté. Ça donne ça, on remet ça. Là, il va pouvoir sortir la colle. Ah, c'est horrible. Mais j'ai besoin de rubber. Waouh, ça en a fait beaucoup, hein? Là, ici, on va mettre des augments. Question de... accélérer le processus, malgré que ça fournira pas. On devrait peut-être en mettre 2 ou 3 de ces affaires-là. Question de faire sortir la colle plus rapidement du système. Mais ça va être des petits ajustements que je vais faire dans le futur. On a combien dans le système là, de choses? Au pire, pour question de test, on va faire quelque chose. Rubber 94. Ok.
Le son est tout à fait OK. Donc on va réactiver ça. Question de tester le système au complet. Là, lui, il fait de ça. Et voilà, il fait du rubber. Ça, c'est éteint. Fait que la machine, elle marche. Les chevals, ils spawnent. Puis là, main qui aille atteint sa limite. Ça, ça va s'allumer. Puis ça va désactiver la machine. Comme là, elle est désactivée. Fait que les chevals qui sont là vont mourir. Puis c'est les derniers. Jusqu'à temps qu'on utilise assez de rubber. Pauvre petit bébé. Et voilà. La machine ne fonctionne plus, il en fait plus. Fait que tant que... OK, perfect, ça marche. Ça marche, c'est génial. Puis of course, bien entendu, il va finir le rubber qu'il y a dans le système ici. Là, vu qu'on a fait un gros test, il y en a beaucoup. Mais yeah, ça marche. Woohoo! On a une machine à faire du rubber. Du caoutchouc. C'est un peu horrible comme machine, mais ça fonctionne. Là, je pourrais pas faire d'autres choses aujourd'hui. Ça va faire déjà un épisode extrêmement long, celle-là. Fait que ça va être tout pour aujourd'hui. Le 5 j'aime. Le 5 commentaires. Gênez-vous pas si vous avez des idées comment améliorer le système, malgré que c'est un peu pire système. On va peut-être embellir ça entre les épisodes, là. Parce que comme c'est là, c'est pas super beau. On va peut-être finir ça, mettre des petites décorations, des affaires de même. Mais ça, c'est pas mal ce que je voulais faire pour aujourd'hui. Ce que je voulais faire d'autre, c'est des machines pour tenir de certains stocks de matériel toujours à portée de la main. Puis je vais utiliser d'autres de ces émetteurs-là. Genre, pour faire de la vitre, je vais mettre une machine qui fait fondre du sable jusqu'à temps qu'il atteigne un certain nombre de vitres dans le système qui va désactiver la machine. Mais ça, on va jouer sur certaines choses. Ça, celle qui fait du sable, c'est qui fait de la vitre, c'est une des plus simples. Plus complexe, ça va être les machines ici. Que je vais démonter puis mettre ça là-bas pour juste garder les, comme je dis, les niveaux de nitre, niveau de slag, niveau de phyto gros. Garder un montant raisonnable dans le système parce que là, du phyto gros, j'en ai 1000 puis c'est un petit peu trop. Je vais en avoir besoin dans le futur pour d'autres machines, mais pour le moment, c'est ça. Anyways, on va travailler cette machine-là dans le prochain épisode. Comme j'ai dit, pour aujourd'hui, ça va être tout. Si vous avez aimé le Saint-Germe, si vous avez un commentaire, suggestion, critique, n'importe quoi, en bas dans les commentaires. Puis je vous parle dans le prochain épisode. Bye le monde.